Alors, je suis avec Jean-Noël. Ça va bien, Jean-Noël? Ben oui, ça va très bien. On passe une belle soirée ici chez Rien d'au Sport. Est-ce qu'on est venu faire un petit peu de magasinage? On est venu pour revoir des amis? On est venu pour voir des amis, puis regarder un peu aussi les nouveaux modèles 2014, qui ont de l'air très, très intéressants. C'est quoi vous conduisez, vous, comme sport-là? Quelle année et quel modèle? Moi, j'ai le Limited 2013. Et vous l'avez pris dans quelle couleur? Le blanc? Blanc. Oui. On a-tu une coupe de randonnée faite avec ce beau Spider blanc? Avec ce beau Spider-là, j'ai fait une coupe de randonnée. J'étais allé à Magog. Puis je fais beaucoup de millage aussi en me promenant, mais des fois comme seul. Je me promène partout dans les petits rangs pour voir vraiment. J'aime la conduite de ça. Puis pour moi, c'est le plus beau AB que j'ai. Fait que quand votre femme là, vous dit « Jean-Noël, va me chercher une pinte de lait », il n'y en a pas de problème, on y va en Spider. C'est sûr et certain qu'on y va en Spider. On achète plus qu'une pinte de lait des fois. Il y a de la place en masse, on peut mettre plein d'affaires dans les coffres. Oui. Puis c'est très bien, j'aime bien ça. La conduite est très bonne. Sa suspension à l'air, ça s'ajuste. Oui. T'as tout, qu'est-ce qu'il faut, moi, il te manque de rien là-dessus. La musique, t'as tout. Petite question. J'ai vu que, tantôt, on parlait en dehors de la caméra, tout ça. Pierre, j'ai pas fait gros de voyage. Je me dis, tu sais, j'étais à la tête du sec, mais c'est à peu près ça que je m'ai limité. Si l'argent ne serait pas un obstacle, OK? Si la santé ne serait pas un obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Là, on pourrait aller faire du spider à peu près n'importe où dans le monde. À quel endroit vous iriez, puis pourquoi? Bien, moi, j'ai entendu dire qu'au Colorado, ça, c'est une très belle place. Qui vous a dit ça? Bien, j'entends parler des fois... Il y a des gens, tu sais, des fois, ça se parle à la télévision puis toutes ces affaires-là. Okay. Puis à un moment donné, j'avais une carte chez nous de Rien d'au Sport. Okay. Puis c'était un grand voyage qui était organisé pour aller au Colorado. Okay. Mais moi, vu que je travaille, bien, je ne pouvais pas aller là. Mais ça m'aurait fait bien plaisir de pouvoir y aller. C'est parce que je ne pouvais pas avoir de congé. Bien là, soit je ne serai pas fin pour le dire ou je vais vous rendre jaloux. Bien moi, je l'ai faite, cette randonnée-là d'aller au Colorado. Ah oui? Je l'ai faite avec ma copine. On est parti de Terrebonne puis on s'est rendu jusqu'à Las Vegas en Spider. Oh, bébé! Et l'événement cette année, qu'est-ce que vous avez probablement reçu? C'est l'événement BRP qui se fait à Durango, Colorado. Alors, il faut passer à travers les Rocheuses pour s'y rendre. Oui. Et ça, c'est une randonnée au mois de juin que je suis très privilégié. Je vais me rendre encore une fois au Colorado. En Spider, je vais être parti 21 jours pour aller faire ça. C'est ça. Fait que... Ouais, ben moi, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il me dit que c'était bien beau parce que des fois, à Magog, il y a un gros rassemblement de Spider. Oui. Puis là, il y avait un monsieur, un journaliste, qui suit les activités des Spider. Puis là, on s'est mis à parler de ça. Puis il a dit que lui, c'était la plus belle ride de sa vie, avoir été au Colorado en Spider. Puis lui, ben, il était bien chanceux parce qu'en étant journaliste, il suivait des activités des Spiders. Okay. Puis il était très heureux de ça. Ben moi aussi, ça doit être parmi mes deux, trois plus belles randonnées. Il y a un endroit qui appelle ça le Million Dollar Highway. C'est l'autoroute à 1 million $. Puis il l'appelle comme ça à cause des vues qui sont tout à fait magnifiques. C'est le paradis. Notre cerveau, il n'est pas programmé quasiment pour voir des paysages comme ça parce qu'on ne les a pas au Québec. Fait que moi, j'ai hâte d'y retourner pour voir ça. Bien, moi, si un jour j'ai la chance, c'est sûr que je vais essayer de faire cette randonnée-là. Et en terminant, on a des 2014 ici. Avez-vous eu la chance de n'essayer un? Non, j'en ai pas essayé, mais c'est sûr que ça serait intéressant de n'essayer un parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, des moteurs plus performants, des vitesses de plus, oui. Amélioration aussi, la suspension. Vous avez fait vos devoirs, là? Oui, je travaille bien, hein? Oui, un connaisseur! J'ai eu la chance d'en conduire un, moi aussi, à un moment donné, avec mon père puis mes amis. On nous avait passé un pour une journée, puis on a pu faire des reportages puis tout ça. Puis c'était unanime. Si tout le monde attendait un moment pour changer de Spider avec le nouveau moteur, c'était le moment, là, rêvé de le faire. C'est sûr. Ben moi, c'est sûr que pour l'instant, je ne veux pas changer tout de suite parce que je viens de m'en acheter un 2000. Oui. J'ai même pas 3000 km de fait avec. OK. Fait que plus tard, ça va venir. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour l'entrevue. Vous avez fait bien ça. Puis je vous souhaite des belles randonnées en 2014. Merci beaucoup. Moi aussi. Puis bon voyage au Colorado. Une poignée de main là-dessus. Merci.